Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leur chef y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force détails et images à l'appui.